Fred, bien sûr, Samaritano. Donc c'est un problème au mollet. Donc c'est un petit décollement de la ponévrose au niveau du mollet. Bon, cette semaine c'est out. Parce que même la semaine prochaine, ça risque d'être très juste. Voilà. Sinon après sur les blessés, on a eu une petite alerte avec Arnold sur l'équipe réserve, mais bon, a priori ça va. Donc il n'y a pas de problème. Pour Arnold, je crois que c'était un coup qu'il avait pris, mais c'était pas méchant au genou. Bon, de toute façon, sur Lyon, on sait qu'il y a de la qualité. Après, c'est juste une question d'état d'esprit chez eux, quoi. Voilà. Quand ils se mettent tous à jouer ensemble et qu'il y a vraiment cet état d'esprit collectif, effectivement, ça devient une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, sans parler d'être au niveau des plus grands, mais c'est quand même une belle équipe. Donc là, ils ont fait une belle semaine. Voilà. Donc c'est peut-être pas le meilleur des moments pour nous de prendre cette équipe-là. Voilà. Mais bon, a priori, on n'a pas grand-chose à perdre non plus. Quoi. Voilà, donc, c'est plutôt, j'allais dire, enthousiasmant de jouer une grosse équipe, sachant que on est chez nous. Voilà, nous, on ne reste pas sur un grand match, on reste sur un bon résultat, mais pas sur un bon match. C'est l'occasion un petit peu de nous lâcher un peu plus, parce que j'ai senti chez nous pas mal de garçons qui étaient plutôt contractés. Et puis là, bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à perdre, voilà. Sauf de ne pas jouer ce match. Donc c'est important de rentrer fort dans ce match, de le jouer, de le vivre. De vivre pleinement, quoi, surtout. Oui, c'est Dijon. Ouais. Est-ce que ça peut être... Ça peut être le piège chez eux, mais je pense qu'ils savent que c'est aussi un piège, quoi. Voilà, donc ils sont aussi prévenus. Après, ils ont quand même un effectif quand même assez conséquent, et il peut avoir un petit turnover sur des joueurs qui ont des choses à montrer. Donc ça va pas dans notre sens, hein, quand tu as un joueur qui veut montrer, même si c'est des bons joueurs d'un certain niveau, après ça valorise encore plus leur équipe là-dessus, quoi. Donc je m'attends quand même, quoi qu'il en soit, un match difficile, puisque le collectif lyonnais a démarré, et les individualités restent quand même marquante, hein, dans cette équipe. Ouais, après, ça reste un autre match, je vais te dire, avec d'autres joueurs. Donc ça peut être un peu plus fermé aussi, quoi. Voilà. Donc je sais pas, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt des matchs où ça allait d'un côté à l'autre, quoi. C'est une équipe qui attaque. Ça peut laisser aussi des espaces, des possibilités pour nous. Voilà. Donc on va essayer de s'engouffrer dans ces espaces-là, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il peut y avoir des occasions. Enfin, j'espère qu'il y aura des occasions, surtout pour nous. Un peu plus que sur le match de Reims, quoi. Oui, je pense que c'était important aussi de ramener un résultat positif. C'était primordial de ramener ce résultat, parce que bon, il y a toujours... des petits doutes qui s'installent quand il n'y a pas de résultat. Donc là, sur les deux derniers matchs, il n'y avait pas vraiment de résultat. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de ramener des points. Après, là où on doit monter un petit peu notre niveau, même beaucoup, c'est dans la manière d'appréhender nos matchs, quoi. Voilà. J'ai senti beaucoup plus de fébrilité sur ce match, même si on a été solide. Après, dans l'utilisation du ballon, on doit faire beaucoup mieux que ça. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il peut y avoir un petit blocage aussi à la maison maintenant, après les défaites? On va essayer qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà, maintenant, moi, ce que je demande aux joueurs, surtout sur des matchs comme ça, c'est vraiment qu'ils montrent ce qu'ils savent faire, quoi. Voilà, c'est pas en ayant peur ou... peur de mal faire, c'est souvent peur de mal faire que ça va faire avancer les choses. Voilà. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas de blocage à la maison. Ça m'ennuierait grandement.
ce qui est un petit peu différent par rapport à ta question, effectivement, c'est quand dans le courant septembre, les équipes se stabilisent un petit peu parce que le mercato est terminé, que les joueurs nouveaux sont arrivés et puis commencent à s'installer, ça c'est sûr. Il y a un redémarrage, un petit redémarrage qui est là. Les grosses équipes commencent à se mettre en place. Donc ça c'est vrai, même de notre côté. Après, là maintenant, Laurent Simon, ça fait 2 matchs qu'il est là. Ça fait 3 semaines aussi qu'il s'entraîne avec nous. Donc petit à petit, voilà, il va s'insérer dans l'équipe. Donc je pense qu'il y aura peut-être une meilleure stabilité, et puis pour moi j'ai une meilleure visibilité de l'ensemble, ça c'est sûr. Oui, il y a eu des sur le match de Reims, il y avait des changements effectivement, parce que j'ai senti qu'il y avait des garçons qui étaient notamment fatigués physiquement, peut-être psychologiquement, par ces matchs internationaux. Mais ce que j'ai demandé aussi aux joueurs, c'est qu'il faut apprendre à gérer ça, quoi. Voilà aussi, ces matchs internationaux, il faut apprendre à les gérer. Oui, il y a des voyages, oui, d'accord, mais derrière, les plus grands joueurs voyagent beaucoup et voilà, on récupère rapidement. Donc, cette fatigue-là, bon, je l'ai ressentie, donc il y a des garçons qui sont sortis sur le match de Reims. J'espère qu'ils ont pu récupérer pour les 2 matchs, parce qu'en fait, semaine à 3 matchs, il y a vraiment 3 matchs à gérer. Là, après, il y a le match de Strasbourg. Donc, effectivement, comme je le dis depuis tout le temps, je le code sur tout le monde. Voilà. Et sur ce match-là, qui arrive sur Lyon, il y a des garçons qui seront peut-être plus frais, et il peut y avoir des changements, comme il y en a eu sur le match de Reims. Ouais.